Hey, yep, tout le monde, et bienvenue pour du City Skyline. Bon, alors, j'ai atteint les 7000 personnes. J'ai continué un petit peu de mon côté. Et du coup, bah, j'ai débloqué le nouveau domaine du 2x2. J'ai les métros, j'ai les impôts, j'ai les danses, j'ai les zones de bureau, l'université et l'usine d'incinération. Donc, c'est parfait. Le prochain, c'est 10 000. Le 10 000, je le veux surtout pour la centrale électro-hydraulique. Que je... Ah merde, que je puisse... Comment bah, que je puisse enlever l'éolienne et remettre... mettre le barrage. Alors, il s'avère qu'ici, je veux des industries génériques. Voilà. Et est-ce que c'est fertile? Non, c'est pas fertile du tout. Donc c'est parfait. Du coup, pas la même occasion, nous avons la pollution, évidemment, la pollution qui s'engendre de toute beauté, voyez-vous. Mais par la même occasion, je voudrais faire autre chose. Alors, nous avons, j'ai augmenté un petit peu le côté là. J'ai mis la route principale ici pour être tranquille au niveau de cette route. Cool, c'est la zone machin. C'est parfait, mais je ne veux pas ça. Moi, je veux augmenter un petit peu ma zone principale. Souvenir, l'habitation. L'habitation, il faut que je l'augmente, ce qui est tout à fait primordial. Et du coup, maintenant, je leur ai mis des belles maisons. Hop, ça, je veux. Voilà. Je leur mets des belles maisons avec des belles routes pour leur favoriser un petit peu leur habitat. On va en mettre une autre par ici. Voilà. On va mettre ça là. Là, 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 là et là. Voilà. Comme ça, j'ai YOLO direct. On va bien sûr étendre l'eau, ce qui est tout à fait normal. Hop, on va étendre cette eau-là. Cette eau-là, on va également étendre ici, tac, et on va relier la source principale. Voilà, comme ça évite de faire tout le tour tout le temps. Bah là, c'est parfait. Celle-là, il faudrait peut-être que je la vide un peu, donc on va mettre une route de merde. On va pas la coller, on va la mettre comme ça. Voilà, et on va mettre ça directement là, comme ça. Ça c'est parfait, et ça je peux demander qu'elle soit vidée. Comme ça je suis tranquille. Ici, bah c'est super beau, hein, il faut dire ce qui est. C'est vraiment au niveau des herbes. C'est super beau, des usines qui sont. Usines, on a un petit peu l'idée de que ça soit gros. Qui pollue et autres, mais quand vous faites dans l'industrie du bois, niveau de pollution, il n'y a rien du tout. Hein. Bon, à part ici, c'est normal, il y a une petite déchetterie, mais il n'y a rien du tout. Hein. C'est plutôt sympa. Cependant, maintenant que c'est fait, et puis qu'ici, bah, c'est plutôt correct au niveau surtout énergétique. Hein. Ça, je commence un petit peu à être limite, mais c'est pas très grave. Je vais mettre ceci, qui est l'incinérateur. 30 000. Bon, j'en ai encore 55, 50 000, c'est parfait. Mais au moins, je vais pouvoir faire mes... justement, faire mes choses. Je vais augmenter jusqu'ici. Voilà. Comme ça, lui, il a de l'énergie, c'est parfait. Et il lui faut de l'eau. Bah, l'eau, il a ce qu'il faut. Traitement des eaux usées, on commence un petit peu juste au niveau des traitements d'eau usée, donc on va rajouter un truc qui pollue, parce que YOLO, voilà, et comme ça on va être tranquille. Et puis bien sûr ça pollue, hein, sinon c'est... Ah putain, on vient à peine de le poser, c'est déjà en train de prendre du terrain, vous voyez, et ça se rapproche tout simplement de mon curseur, ça... C'est dégueulasse. Mais je vais polluer toute la zone. Diabolique, diabolique, diabolique. Voilà, c'est en train de s'étendre à une vitesse grand V en plus. Bon, on est en vitesse grand V aussi, mais
Mais ça s'étend plutôt bien. Là, on atteint les 10, 20. Là, les 20%, 40, 60, 80, 100. Voilà. Là, on est à 100% de l'eau. Pollution moyenne de l'eau potable, on est à 0%. C'est bien. Pollution moyenne du sol, 5%. Voilà. Et puis, bah, ici, bah, c'est normal que ça pollue, hein, parce que YOLO. Putain, ça s'étend bien, en fait. Ici, ça s'étend super bien. Ça pollue pas trop, en plus, les zones. Sur les côtés, c'est plutôt bien. Donc, c'est plutôt un bon point. On va ici, on va lui demander qui se vide également. Et lui qui est on, déjà. Déjà pas mal. Et qui se vide également. Et bah évidemment, on va faire celui-là qui se vide également. Voilà, comme ça, on va être un petit peu tranquille. J'ai toujours pas mon crématorium, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer un petit peu les zones niveau de ça. Ouais, c'est ça. On a les commerces ici, on a là les habitations. On va refaire une autre zone, mais cette fois-ci zone de riches. Bah oui, parce qu'il faut des zones de riches quand même un peu. On va le coller ici, on va le faire là. On va l'étendre un peu plus. Voilà. Sans trop déborder sur la région des autres. Hop! Du coup, ça s'étend jusque là-bas. C'est parfait. On va quand même mettre des belles routes. En plus, qui vont jusqu'au fond. C'est parfait. Également ici. Voilà, l'industrie du bois. Au niveau de la zone, on est juste à côté, c'est parfait. On va juste étendre l'eau. Bah oui, il faut quand même l'eau, les cocos. Hop. Et notre petite zone. Également ici pour celle-là. Voilà, comme ça, on est fixé de ce côté. C'est parfait. Du coup, on va pouvoir mettre nos habitations de densité élevée. Au niveau du quartier, le quartier il est là, donc là, à partir de là, c'est densité élevée. Hop, densité élevée. Densité élevée, élevée, élevée. On va mettre que vraiment du élevé ici. Et est-ce que ça pollue? Les zones de bureaux permettent aux habitants instruits de travailler. Assurez-vous d'avoir une université dans la ville pour produire des emplois qualifiés. Une université. J'ai une université ou pas? Ouais, mais j'ai pas assez de fric. Ah, mais par contre, j'ai de l'université. Ça, c'est cool quand même. L'université, ça fait quand même 4500 personnes. C'est plutôt un bon point. Surtout en fait, qui sont vraiment dans la merde, ces gens en fait. Hein, faut dire ce qu'il y a, c'est pas vraiment très cool. Cependant, ouais, je suis sûr que ça va détruire un max de trucs par contre. C'est pas cool, ça va détruire des places. Sinon, je peux laisser ça comme ça et augmenter eux. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on retourne dans la zone dépôt. Voilà. C'est parfait. Ça me dit qu'il n'y a pas assez d'énergie. Si, il y a assez d'énergie. Je vais juste rajouter une petite antenne qui fait ça. Ça, qui fait ça et qui fait ça, comme ça j'ai une continuité d'énergie, même si ça passe par ici, mais je veux quand même une continuité de ce côté-là. Donc là, c'est en train de faire ce qu'il faut, c'est parfait. Au niveau ici, ça va tranquillement. Au niveau de l'eau, on est parfait. Au niveau des déchets, on est pas si bien que ça, à vrai dire, mais bon, ça fait son taf quand même.
Au niveau de la santé, ils sont plutôt corrects. De toute façon, je rajouterai en fait un hôpital plus tard. Niveau des pompiers, c'est pas cool. Police, ils sont parfaits. En plus, ça protège tellement bien ça. Niveau de l'éducation, on est dans la merde. Ah, c'est quand même. Attends, c'est combien? C'est 1 mégawatt, rien que pour elle. Ouais, ça va. Niveau sonore, il n'y en a pas, c'est parfait. 4500 étudiants, ce qui pourrait être vraiment très bien. Il y en a 65% instruits. Ah ouais, ils sont tous dans le rouge, mais il y en a 65%. Ouais. Ah, on peut la construire. Eh ben, on va faire Geronimo. Ah, ça commence à faire ding 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 ding. Ah, c'est ça que j'aime bien. J'adore, c'est au moment qu'il fait ding 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 ding. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça. Pour ça que j'adore. Ching 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 ting 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 ting. Bon, alors, on a dépensé quand même beaucoup pour ça. Bon, on reste toujours dans le positif, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai pas pris de prêt, hein, je crois. Ouais, j'ai toujours pas pris de prêt, c'est parfait. Au niveau des deux, on va les mettre à 10%. S'ils vont rapporter, il faut bien des riches pour avoir des pauvres. C'est normal. Bah, c'est la fortune des riches qui font le bonheur des pauvres. Bon, des fois, c'est pas forcément tout le temps pareil, mais. Ceci est un débat, nous rentrions pas dedans. Nous allons pas y rentrer, c'est ça que je veux dire. Alors, ça, bah, ça, c'est en train d'incinérer, c'est parfait. Au niveau de la santé, c'est plutôt correct. Faudra attendre. Au niveau des pompiers, bah, c'est pas vraiment cool. Voilà, maintenant c'est cool. Ah, bizarrement, ils sont mieux. Hop. Au niveau bah, des crimes, on est parfait jusqu'au bout. Et au niveau de ça, une zone capacité de 4500. Ce qui est parfait. Et du coup, bah, il va falloir des points de transport. Il va falloir que je remette du transport pour faire une nouvelle zone en fait. Créer une nouvelle ligne. Hop. Voilà. Tac. Tac. C'est juste pour en fait. Garder les élèves dans le coin. Un arrêt de bus, un arrêt de bus, un arrêt de bus. On va faire toute la zone de riche avec des bus. Hop. Voilà. On va peut-être faire aussi ça. La petite zone là, quand même. Parce que, n'empêche que c'est une. Comment? C'est une zone industrielle, mais industrielle propre. Bio. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En plus, ça fait un petit peu de bonheur. Ça fait un peu de bonheur, donc on va pas s'en priver. Ah, on repasse par là. On repasse par là. On passe par là et on la termine. Voilà. C'est parfait, ça fait une belle zone. On va commencer un petit peu d'augmenter cette région-là. Donc on va mettre bien sûr des routes de densité élevée. On va faire ce qu'il faut. Ah, peut-être un peu plus ici. Encore un peu plus? Oh. Voilà. Hop. J'ai pas l'impression que ça veuille, donc tant pis. On va faire comme si c'était 100. Voilà. Ici, ça veuille aussi. Du coup, on va ajouter des. Ouais, on peut les mettre là. Voilà, si je vais pas en mettre, on va rajouter des habitations.
C'est quand même chouette, des habitations de densité élevée. Au niveau de ça, dommage que ça pollue un peu ça. Je pourrais le mettre là, mais bon, c'est pas très hygiénique. Bon, pas vraiment le terme hygiénique, mais. Bon, on va remettre ça. Même si c'est un peu dans le rouge, c'est tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, ça travaille tranquillement, c'est parfait. Ici, il va falloir qu'on remette de l'eau. Les pauvres vont plus avoir d'eau. Voilà. Voilà. Ah, c'est quand même beau. C'est nettement plus beau en fait que la première. Bon, c'est un peu con en fait que ça soit supprimé, mais en même temps, ça m'a permis de faire une plus belle ville en fait. Donc c'est plutôt un bon point. Et bien sûr, ça permet aussi de polluer une zone qui ne pourra être comment emmerdée par la pollution de l'eau du fait que je suis en train d'inonder un lac. S'en fout, hein? 20% du sol pollué. Plus d'espace. Ah, t'as plus d'espace, toi. C'est dommage. Ah bah on rajoute. Pas très grave. Donc, du coup, bah je peux détruire celle-là en fait. Un bâtiment se vide. Eh bah vite toi mon petit, je vais voir. Oh putain, c'est dégueulasse. Ça produit, c'est plutôt un bon point. Parc noyé blanc. Ils sont noyés par la pollution. Donc c'est plutôt un bon point. On va mettre des bureaux. Eh ouais, on va mettre des bureaux. Quoique les bureaux c'est quand même propre. Hein. Donc je vais plus les mettre ici les bureaux finalement. Voilà. On va mettre un seuil de bureau ici. Voilà. Et ici bah, on continue les industries. À la mode barbare. Voilà. Que ça marche plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Une fois que c'est construit, en fait, ici, je vais enlever ça, comme ça le courant va pouvoir passer tranquillement. Niveau de l'énergie, bah, c'est pas vraiment encore si top que ça, en fait. On est à combien en excédent? Il peut pas nous dire le plus ou moins, c'est un peu chiant, ça, par contre. SimCity, c'était bien, en fait. Oh, ça fait encore un 20-60 mégawatts. Oh, bah c'est bon. J'ai encore ce qu'il faut. C'est pas ça qui tue. Au niveau de ça, bah, il y a pas mal d'habitations qui sont détruites par contre. À mon avis, c'est beaucoup à cause de la pollution. Plusieurs problèmes. Déchets accumulés et le sol est pollué. Système de santé disponible. Il est plus ou moins disponible en fait. C'est combien ça? C'est, on va dire, c'est 65 000. J'en suis pas très loin. On va prendre un petit prêt. Ça fait 65 000. Ah, il faudrait 30 000. Bon, on va prendre 60 000. Hop. Voilà. On va prendre 60 000. On va mettre un hôpital. Putain, c'est chiant que ça fasse pas comme je veux en fait. Hop. Ah ouais, c'est un peu chiant que ça ne veuille pas forcément comme je veux. Bon, ça commence à aimer, mais bon, j'aurais voulu autrement, hein. Franchement. Franchement, j'aurais voulu autrement. Niveau de la police, on est bien. Niveau sonore, on est mal. Pourtant, ça fait un sonore, ça? Oh, putain. Pas assez de marchandises à vendre, ouais. Ah, la zone est plutôt bruyante. Là, ça va, elle est plutôt calme, la zone. Là, elle est très bruyante, hein, forcément.
Niveau de la pollution, ça pollue toujours aussi bien. C'est cool. Au niveau du vent, on est bien. Ouais. Au niveau de la santé, service funéraire, j'ai rien en fait. 157 décès, la vache. Service funéraire, on a 800 capacités. Bah, plutôt aux soins. Ouais. Niveau de l'éducation, bah. Ah, si. Oui, c'est ça, différent. Collège et lycée, il y en a beaucoup qui sont éligibles. Hein. Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont éligibles. Alors, voilà. En plus, ça commence à bien aimer. Par contre, il y a énormément de poubelles. Hein. Ah, je pensais pas que ça allait faire autant que ça. On peut pas augmenter le... Ok. Bah, pourtant, ils sont à fond. Hein. Ah, ils sont à fond. Oui, ils sont... En méga à fond quoi. Ah bah j'ai plus de pognon. Un peu dommage. T'es bien. C'était bien. Il commençait à avoir du pognon. Je suis dans le rouge. Je suis dans le bleu. Ça descend. Je suis dans la merde. Moins 26, ah, c'est pas bon. Au niveau de ça, je suis à consommation d'énergie. Hop, fuck it, des shit. Comme ça, on va remonter dans le rouge. Poum! Dans le vert, je veux dire. Ça va faire une plus grande consommation énergétique, mais OSEF. Je suppose que là, j'ai rien. Alors, recyclage obligatoire. Distribution de détecteurs de fumée. Ah, ouais. Bien dit, ça pourrait, mais fuck. Parc et loisirs, actif, ouais. Augmente les impôts des zones résidentielles de faible densité. Voilà. On peut être... Non, on va les enlever parce que ça sert absolument rien. Ou pas. Non, ils sont pas encore très contents en fait. Interdiction de. Voilà. Interdiction également. Et là, interdiction également. Voilà. On est à du recyclage, on est à du recyclage. Il n'y a rien ici. Interdiction de fumer. Voilà. Bon, en tout cas, on est plus dans le vert. Là, c'est plutôt sympa. Même mieux, on va dire. On va faire quand même une autre nouvelle zone ici. Voilà. La zone du commerce. Qui fait que on a une nouvelle politique ici qui est le recyclage obligatoire, interdiction des animaux, forcément. Coup de pouce, c'est quoi? Augmente le budget de l'éducation de 25%. Ah ouais. Coup de pouce, forcément. Imposition, non. Et interdiction, le. Ah non, non, non. On va le laisser. Voilà. Bon, au niveau de la pollution des poubelles, c'est un peu chiant par contre. On commence à redescendre dans le rouge, je crois que j'ai un... Ah non, c'est bon. C'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de morts, il faudrait augmenter en population en fait. Il faudrait augmenter beaucoup. Donc ça serait bien que ça augmente. Parce qu'ici, il n'y a pas assez de marchandises. Ah, il y a des morts. Puis plusieurs problèmes. Ah, plus d'énergie. Non, t'es sérieux? Ah, bah oui, forcément. Forcément, forcément. Oh, bizarrement, t'as de l'énergie. Maintenant, tu travailles. Et nous avons beaucoup de bâtiments abandonnés. Pourquoi? Parce que trop de déchets se sont accumulés. Voilà, c'est ça le gros problème éventuel qu'il y a dans le coin. C'est un peu chiant que je le mette là, quoi.
On va le mettre là. Parce que lui, en fait, il sert quasiment à rien, quoi. Oui, en même temps, il se vide. Je suis un peu con. Comme ça, les déchets vont être finis. Bon, c'est un peu dans la zone de bois, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est pour vider une partie d'ici quand même. Ça pourrait être tellement bien. Ça pourrait être tellement bien. Bon, du coup, ça commence un petit peu la merde ici, par contre. En fait, ils se barrent tous. Pourquoi? Parce qu'il y a les déchets qui se sont accumulés. Du coup, 0 sur 4 ménages. Ça fait me perdre un peu d'habitation quand même. Donc, va falloir vraiment se bouger. Et surtout, bon, en fait, ce que je voudrais, moi, c'est... C'est ça, c'est le crématorium. Bon, il en faut 16 000 quand même. C'est assez énorme. Mais bon, ça me permet aussi de brûler les déchets, quoi. C'est... On va dire que c'est pas négligeable non plus. Voilà. On va mettre ça en plus. Hop. Voilà. Comme ça, c'est en train de faire son taf. Bon, voilà. Bon, sur ce, nous, on va se laisser sur cette magnifique baie dégueulasse. Ah, faut dire ce qui est au niveau de la pollution. Ah ouais, nous en sommes quand même pas mal du tout. Au niveau de la pollution, on est plutôt bien. Ici, ça manque de déchets et autres. Putain, ça pollue tellement. Avant, c'était juste là, et puis là... C'est dégueulasse de partout. Bon, et sur ce, messieurs, merci d'avoir regardé. Messieurs, dames, hein, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce, ça me permet de voir si vous aimez bien. Je pense que oui, vu les retours que j'ai déjà eus. Donc c'est plutôt un bon point concernant ça. Hop, lève-toi. Et puis voilà, donc au niveau des morts, on va un petit peu... Je vais continuer un petit peu off caméra pour voir un petit peu les... Comment? Pour monter un petit peu au niveau de l'habitation. D'ailleurs, au niveau de l'habitat, on est bientôt aux 10 000. On va peut-être patienter jusqu'aux 10 000. Si ça dure pas trop longtemps, comme ça me débloque ça. Putain, ça va être fun. Je pense qu'on va atteindre les 10 000, en plus 87. Donc on va avoir les 10 000, ça va être fun. Donc du coup, je vous laisse dès qu'on a les 10 000. Sur ce, bisous tout le monde et bye bye. Et ben voilà, on a atteint les 10 000, on a la centrale hydroélectrique. Ouais!